Il faut distinguer parmi les émetteurs deux grandes catégories. Il y a d'un côté les entreprises qui ont besoin de cash parce qu'elles consomment du cash, et de l'autre côté, il y a les entreprises qui produisent du cash. Si on prend la première catégorie, les émetteurs qui consomment du cash et qui donc ont besoin de cash, la bourse est un lieu formidable pour trouver ce cash dont l'entreprise a besoin pour financer ses investissements, ses projets, ses innovations. Et c'est donc le lieu idéal pour faire ce qu'on appelle une levée de fonds sur le marché. La deuxième catégorie d'entreprises, d'émetteurs, il s'agit donc des entreprises qui, elles, produisent du cash, mais qui néanmoins ont besoin de financer leur développement. À cet égard, la bourse est un lieu idéal, à la fois pour l'ampleur des fonds qui peuvent y être trouvés, pour y faire par exemple une augmentation de capital, ou alors une opération d'obligation, qu'elle soit convertible ou non, mais c'est aussi un lieu idéal pour que le coût de ces fonds y soit réduit. Car quand on est dans une bourse aussi efficiente qu'Euronext, la prime de risque est réduite, ce qui réduit d'autant le coût de capital pour l'entreprise et améliore d'autant sa compétitivité. En résumé, la bourse est un lieu optimum tant pour les émetteurs qui consomment du cash que pour les émetteurs qui produisent du cash, lieu optimum pour à la fois lever des fonds, optimiser son bilan, mais aussi pour communiquer avec les actionnaires, expliquer sa stratégie et nouer avec les actionnaires une relation qui leur permet à eux, actionnaires, d'avoir envie d'accompagner l'émetteur dans le moyen et le long terme.